À la barre fixe, Kevin Garvalho maîtrise déjà bien ses figures. Il s'entraîne 6 heures par jour pour se perfectionner dans les 6 agrès de la gymnastique masculine. Objectif, intégrer l'équipe de France pour les championnats du monde. Mais la concurrence est rude, il faut sans cesse s'améliorer. Je dois surtout travailler aux anneaux, car il me manque un peu de force, du coup je suis un peu faible aux anneaux. Et je pense que je dois aussi travailler mon sol, car j'ai du mal à mettre une bonne note de départ. Quoi. À seulement 20 ans, Kevin fait partie du top 12 des meilleurs nationaux. Pour son entraîneur, sa marge de progression est grande. C'est un garçon qui a un fort potentiel, donc il va falloir qu'il l'exprime au cours des années qui sont à venir, voire sur peut-être 2 Olympiades. Une ambition que partagent les cadres du Monceau Gym. On a eu beaucoup de gymnastes prometteurs, mais depuis un petit moment, on n'a pas de gymnastes qui ont percé au plus haut niveau dans la catégorie senior. Et donc c'est vrai que Kevin, là actuellement, qui est en stage avec l'équipe de France, fait partie du collectif depuis 2 ans et ambitionne de rentrer dans l'équipe de France senior. Mais la première étape, c'est le test de sélection pour les championnats du monde. Il aura lieu en fin de semaine et 7 gymnastes intégreront l'équipe de France. On a une équipe de grande qualité, mais avec des gyms qui ne sont pas forcément complémentaires à tous les agrès. Donc on essaye de travailler sur ces lacunes-là pour être encore plus performant et essayer de présenter une équipe de France de grande qualité. La France devra finir dans les 12 premiers pour être qualifiée aux Jeux Olympiques 2020. Et le Monceau Gym espère bien enfin compter dans ses rangs un nouveau champion.